Hey, salut ma gang de vous autres, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous rendre à l'endroit où le premier précurseur peut être rencontré du nom de Alan. Donc pour ce faire, c'est très simple. Lorsque vous êtes à côté de votre life pod dans le jeu, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous amener près de cette pointe et d'avancer en ligne droite vers les petites feuilles qui se trouvent juste ici. Et de continuer toujours tout droit, que ce soit avec votre Sea Truck, votre Sea Glide, à pied ou quoi que ce soit. Juste faire attention parce que ça vous mènera dans le Twisty Bridges. Et dans le Twisty Bridges, il y a des Brute Sharks qui sont assez dangereuses. Donc vous continuez d'avancer jusqu'à ce que vous arrivez à une branche comme ceci. Et lorsque vous arrivez ici, vous allez descendre en ligne droite. De cette façon. Vous allez traverser un petit peu, vous allez faire le tour parce que c'est assez difficile de s'orienter. Mais lorsque vous allez trouver cette partie-là, c'est très facile de le repérer en partant du haut, finalement. Vous allez pouvoir vous revirer de bord et voir qu'il y a ici des trucs de précurseurs qui flashent. Donc avec la nouvelle update, maintenant la lumière scintille, ce qui est vraiment très cool. Et vous allez avoir des détonations sonores qui vous font comprendre que vous êtes bien et bien sur le bon chemin. Donc lorsque vous continuez ce chemin et que vous les suivez en ligne droite, vous allez arriver à cette position, donc une ancienne cache sanctuaire de précurseurs. Et une fois débloqué, vous allez pouvoir continuer de faire le labyrinthe. Il va y avoir des vocales de scénario qui vont s'activer et vous allez pouvoir continuer l'histoire. Alors j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si jamais j'ai réussi à me rendre utile pour vous aider à le trouver, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels ou bien les prochaines vidéos. Laissez un j'aime et de me laisser un commentaire si vous avez des propositions pour de prochains tutoriels. Alors sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée puis je vous rappelle, si jamais vous êtes intéressé par le jeu de Subnautica Below Zero, ma chaîne est dédiée à ce jeu. Donc vous pouvez regarder mes autres playlists, j'ai fait des let's play, j'ai fait des nouvelles et des trucs comme ça. Alors moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous offrir cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine. Salut ma gang de vous autres.